Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment on peut ajouter des chapitres sur une vidéo YouTube. L'ajout des chapitres va permettre au spectateur d'aller directement au time code qui va l'intéresser. On regarde cela directement sur mon ordinateur. Bienvenue sur la chaîne de CGE Virtual Assistant, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business sur le web. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo pour devenir un meilleur entrepreneur sur le web. Alors voyons ensemble comment, en deux petites minutes, on peut rajouter les chapitres sur une vidéo YouTube et comment s'y prendre concrètement. Il y a juste deux astuces à vérifier, on voit ça ensemble. Comment faire pour ajouter donc des chapitres à une vidéo YouTube, comme on peut le voir sur l'écran ici? Donc en fait, sur la vidéo, en dessous, vous avez un timeline avec chaque timeline, les différentes grandes parties de la vidéo. Donc il va falloir ajouter sur votre vidéo les timelines. Alors concrètement, comment on fait? Une fois que vous avez importé votre vidéo, donc dans la description, donc en général, on met sujet de la vidéo et il va y avoir une partie timeline. Il faut faire attention à l'expression en fait du timing. Donc il faut que ça soit deux chiffres, deux points et deux chiffres. Vous mettez un espace et ensuite vous mettez l'identification de votre chapitre. Donc ceci va permettre à l'utilisateur de directement aller sur la partie qui l'intéresse. Par exemple, si je vais sur la vidéo, je veux voir comment on fait pour faire une page de capture. Ici, on est dans le tunnel. Et directement ici, j'arrive au chapitre correspondant. Rajouter les timelines va permettre à votre vidéo d'être plus facilement référencée, plus facilement avoir une interaction avec les utilisateurs. Et donc, je vous conseille grandement d'ajouter les chapitres à votre vidéo. J'espère que ce tutoriel sur l'ajout des chapitres sur une vidéo YouTube vous a été utile. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous invite également à vous abonner, partager et liker ma vidéo pour m'aider au référencement de la chaîne. Vous retrouverez tous les lundis une nouvelle vidéo avec des conseils et des astuces pour devenir un meilleur entrepreneur sur le web.